C'est le point de revenir sur mes vidéos. Là, on prend un vrai GM. Pour de vrai. On fera pas juste quelques vidéos avec le comme avec le Sonic. Là, je voulais faire ça. Ça fait 2 jours que je suis là-dessus. On est en saison 2021-2022. Ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Puis, j'ai tout modifié le line-up. J'ai mis les line-up qu'elle conseille jusqu'à présent, qui est sur Cap Friendly. Anaheim, c'est le line-up qui est sur Cap Friendly. Arizona aussi. Ah oui, puis je vous dis comme ça, comme Craig Anderson, je me rappelle plus avec qui, il sera pas avec l'équipe, parce que dans le jeu, il a pris sa retraite, je peux pas le déretraiter. C'est comme les Coyotes. Boston, même Montréal, Price Island, Charlotte, Edmonton, Kouyak, Charlotte, Edmonton, excusez, puis Savard, Romanov, Wendman, Batco, je le descends, les Canadiens de Rouen. Oh, c'est vrai, il y avait juste une aide. Mike Hoffman, Marc-André Perrault, Marc-André Perrault, Mathieu Perrault, Cédric Pocket, non, Raphaël Harvey, puis non, toi tu descends de toute façon. Michael Pezzetta, tu descends. Veg Demo, tu descends. Yann Maissac, tu t'en retournes en Washington. On a juste 400, by the way. Oui, j'ai signé Kiki. Bennett Badock. On va en HL. Otto Leskinen. Ah ouais, HL. Matthias Norlander. Ah ouais, Laval. On va faire jouer à Laval, mon gars. 22. On fait ça, bon, non. One man, par exemple. Tout va te scratch, Romanov, ça t'en est. Je suis bien good comme ça, moi, hein, Armia, t'as pas te laisser côté. Sans que tu aies nope, par exemple, Cole Caulfield, tu t'en es là, Mike Hoffman. J'aurais bien un trio composé de même. Mike Hoffman. J'aurais bien Mike Hoffman, ça a deux. Comme ça, mettons. Pour vrai, le IRL, j'aurais bien soit comme ça, ou même. Oui, j'ai vraiment mis Weber, ça allait être blessé. Ou même peut-être. Comme ça, là. Tu sais, Anderson avait. C'est en série, en finale. En finale. Quand ils ont été placés ensemble en série, ces trois-là, ça a bien fait. Fait j'aurais peut-être bien ça au début, mettons de la saison, ça marche pas. Puis de loin, il est vraiment après, je le mets sa feuille avec eux autres, sinon. Mais Mike Hoffman, tu sais. Et pour tout, on va y aller de même, pour moi, pour mes lignes. Powerplay, Cole Caulfield, tu t'en viens ça first. Caulfield, tu t'en viens ça first. Désolé, ça va à place de Galie. Ça va à place de Galie. Bon. Bon, là, vu qu'on a pas de capitaine parce qu'il est blessé, on va mettre comme. On va laisser ça de même. T'as juste pas de capitaine. Pour cette année, mais on va avoir comme assistant, on va jouer à 4 assistants, 2 à l'étranger, 2 à domicile. Sur le domicile, il va avoir Brendan Gallagher et Jeff Petrie. Puis sur l'étranger, il va avoir Josh Anderson et Joe Drouin.
Là, on est à Philadelphie, fait que c'est Joe Drouin qui va avoir le A, puis Josh Anderson qui va avoir le deuxième A. On va voir ce que ça donne ce premier match de pré-saison avec l'équipe. Et ça serait une défaite de 3-1, bah tiens. Puis le seul buteur, ça serait Jeff Petrie. Ah, il y a des transactions. Je pense que des transactions vont avoir les joueurs qui vont partir. Bon, ben là, on va avoir juste un match hein, entre les vraies équipes. Hein. Ah, il n'y a pas eu de transactions. On est à domicile. Avant que je l'oublie, on va remettre Jeff Petrie puis Brendan Gallagher assistant. C'est une victoire de 5 à 4. Il espérait que Kanemi avec l'aide de Mike Hoffman, Brendan Gallagher. Tyler Toffoli avec l'aide de David Savard. Nick Suzuki avec l'aide de Brendan Gallagher. Et Mike Hoffman en avantage numérique. Brendan Gallagher en avantage numérique avec l'aide de Mike Hoffman et Josh Anderson. Avec l'aide de Tyler Toffoli et Jake Evans. Avant que je l'oublie. On retourne mettre Drouin. Puis Josh Anderson. On est à Seattle. Ça, c'est après qu'il gardait les buts. Fait qu'on va mettre Jake Allen aussi. Puis si j'ai changé le numéro à Pierre-Luc Dubois, il est rendu numéro 80. Puis j'ai retiré le numéro 80 sur les Blue Jackets de Columbus. Pour en l'honneur de Mathis Kivlenek. C'est une victoire le 3 à 2. Ben Chariot avec l'air de Toffoli et Anderson. Anderson avec l'air de Evans et Jeff Petrie. Gallagher avec l'air de Romanov et Brent Kulak. Moi j'en étais à l'étranger ou à domicile pour le prochain match. J'en ai son 2 buts. On est à domicile. Jeff Petrie et Brendan Gallagher. On va jouer le même parce qu'on n'a pas de capitaine. On vous dit qui est blessé. Victoire de 7 à 4. Gallagher deux fois en avantage numérique avec l'aide de Mike Hoffman et Cole Caulfield sa première, puis Mike Hoffman et Nick Suzuki sa deuxième. Gordy Green, bon. Nick Suzuki. On a marqué nos 5 DCB en première période. C'est Suzuki avec l'aide de Joe Drouin. Petrie avec l'aide de Pocket. Anderson avec l'aide de Romanov et Mike Hoffman. William Manson avec l'aide de Jeff Petrie et Cole Caulfield avec l'aide de Joe Drouin et Ben Chariot. Je pense qu'on va faire peut-être un petit long état à l'étranger aussi. Fait qu'on met Joe Drouin et Josh Anderson. Peut-être quelques changements, mettons ça. On va regarder pour voir ce que ça donne. Moi, c'était Press qui gardait, fait qu'on met Jake Allen. On va mettre Jake Allen. C'est là que je voulais. Et c'est ça que je veux. Défaite de 4 à 3 en shootout.
Landeskog, Hoffman avec l'aide de Petri et Kiki, Drouin avec l'aide de Gallagher et Nick Suzuki, Mathieu Perrault avec l'aide de Lekkonen et Cédric Paquette. Si on a donné, si je change encore, si on est engrangé, je garde. On est à domicile. Donc on est à domicile, fait que c'est Jeff Petrie. Et Brendan Gallagher. C'est une victoire de 6 à 4. Cole Caulfield sur son deuxième d'après-saison. Clyde de Mike Hoffman. Gallagher avec l'aide de Suzuki et Drouin. Peter avec l'aide de Hoffman et Kulak. Drouin avec l'aide de Suzuki et Gallagher. C'est trop lourd, il est là, il est bien. Drouin avec l'aide de Romanov. Et Drouin avec l'aide de Romanov. Et Jake Evans. Jonathan Drouin est trop du chapeau dans ce match. Je sais pas si c'était le dernier match de leur concours. Voilà, il reste un match à leur concours, après ça on commence la saison. On fera les... on fera pas la saison dans cet épisode-là. On commencera pas la saison. On va faire juste une... ça va être un petit épisode. On va juste la pré-saison. Un petit 12-13 minutes là. Ah, il y a un trade entre Pittsburgh et Seattle. Brock McGill contre un 3. Jeff Skinner contre un... Jeff Carter contre un 3. Thomas Schnauzer contre un 3. Puis Eric Carla contre un 3. Là, on est à Détroit, faut qu'on change. Oh, Ben Churia, des. On va le mettre sur la liste des blessés. One man's. Ah ouais, faut être en premier. Joe Drouin. Josh Anderson. Chris Weinman. Monter en manœuvre. Un replay, il joue pour un piqué plus run man. Une victoire de 3-2 en outil. Anderson avec l'aide de Windman, Windman et Jake Evans, Gallagher avec l'aide de Drouin et Suzuki. Nick Suzuki avec l'aide de Mike Hoffman. On va aller voir les stats des joueurs. À l'offense en pre-season. En 7 matchs, Gallagher et Drouin Hoffman ont marqué 10 points. Trouver un avantage numérique pour Gallagher. Une passe, 4 points en avantage. Sur 10 points, il y en a 4 en avantage numérique. Un but victorieux. 26.1%. Mettons le premier trio, là, c'est Gallagher, Suzuki, plutôt. Ça va bien ce trio-là. Caulfield me déçoit un peu, 3 points seulement à 7 matchs. 1 point par replay. Déçoit un peu. Romanov, Evans 4 passes, pareil. Romanov 4 passes. Presque 5 matchs, Allen a goulé 2. Bon, à défensive. Ça va être le plus physique avec 14 mises en échec. En 7 matchs, pour 4-13, Anderson, Kiki, Suzuki, Edmonton en 11 et Brendan Gallagher en 10. Guy
giveaway, les turnover. Take giveaway, je pense que take away c'est turnover, puis giveaway c'est provoquer un revirement. Si c'est ça, Gallagher, il y a 4 revirements provoqués, tout comme Hoffman et Cole Caulfield. Un revirement fait, Romanov en a 5, il y en a 5. Il était bloqué. Romanov en a 18, Savard 16. Edmondson 12, 11 pour Petrie. Et le top 4 là. Il bloque. Mise en jeu. 155 mises en jeu pour Nick Suzuki. Cole Caulfield, lui, il en a juste 4. Pourcentage aux mises en jeu, 75%. Ok. Il en a gagné 3 sur 4, là, mais c'est des joueurs de centre que je parle. Kiki est le meilleur. Avec 50,6% de ses matchs. Pocket 50%. 49,7% pour Suzuki. 41,3%. Face-off gagné, mes enjeux gagnés 67 pour Suzuki, 44 pour Kiki, Evans 26, Pocket 20. Et lose 78 pour Suzuki, elle a perdu plus. Bon, sur ses stats, on va aller voir l'histoire. 26 coupes chants à Stanley, on le voit. Mais ici, le Canada n'a pas fait les CA avec une fiche de 75 l'an passé. Price winning leader, 362. Mais qui va aller rattraper ceux-là. Là. Bon, rookie recul, on va le voir. Ok, Kofi, il y a un record, deux records, trois records. 4 records. Caulfield est 4. 5 records. 6 records. 7 records. 8 records. 9 records. 10 records. Cole Caulfield est 10 records. Lol. Bon. Guys, sur ce. Oh, attends une minute. Prochain match. Il est en bleu, sa zone est à domicile. Pour pas l'oublier, on va le faire tout de suite. Jeff Petrie 2. Gallagher 1. Fait que sur ça, guys. J'espère que vous avez apprécié. Saison avec le vrai line-up 2021-2022. On va voir que ça va donner. À date, c'est bien. Fait que, guys, sur ça, je vous dis au revoir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo va avoir la saison, début de saison, mois de septembre, la fin de septembre et octobre. Peut-être un peu novembre, ce qu'on va voir. Je vous dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de soutenir la chaîne. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez, naturellement. Ou juste, mettons, comme écrire un commentaire, comment dire, positif et constructif, c'est le mot que je cherchais, pour les prochaines vidéos. Fait que vous dites au revoir à la prochaine nouvelle vidéo. Bye bye.